Aujourd'hui, je vous présente l'oracle de Paracelse aux éditions Le Scarabéo. Il s'agit en fait d'une édition presse qui était vendue avec un petit fascicule. Et donc, il n'y a pas de livret pour ce jeu. Juste un fascicule finalement qui expliquait un peu comment le jeu fonctionnait et qui faisait une courte présentation. Donc, c'est un jeu qui est basé sur la géomancie. Donc, le jeu est divisé en deux parties, les cartes blanches avec les symboles. Alors, la géomancie, il faut savoir que c'est l'art de prédire l'avenir à travers des jetées de cailloux, etc. Et du coup, les cartes reprennent en fait le même système avec donc des symboles pour représenter justement comment les cailloux sont tombés, etc. Et là, c'est illustré avec en plus une sorte de gravure, de dessin. Donc sans livret, c'est un petit peu compliqué à interpréter, mais il existe pas mal de livres qui expliquent comment fonctionne la géomancie. Et même en allant faire un tour sur Wikipédia ou sur certains sites internet, on peut justement comprendre le système. Et ensuite, donc voilà les 16 lames blanches qui étaient là, et là les 16 lames dites noires, sombres, qui reprennent finalement les mêmes termes, mais côté sombre. Donc ce jeu est composé de 32 cartes. Il existe aussi une édition Le Scarabéo classique sans livret, enfin avec livret pardon justement. Et des cartes sont, je crois, de meilleure qualité. Donc ça, c'est l'arrière des cartes. Et bon, comme je disais, c'est un jeu qui est sorti en presse, donc la qualité est vraiment laisse à désirer. Et les cartes sont relativement petites, hein, tiennent dans la main. C'est comme un jeu de cartes à jouer, on va dire. C'est un système de divination qui est différent et qui est plutôt intéressant. Je vous dis donc à très bientôt pour un nouveau jeu et une nouvelle vidéo.